Eh oui, il revient. Il revient, mais il revient toujours, de toute façon, c'est connu. On sait où sont les terriers maintenant. YouTube, Twitch, on a commencé à repérer un peu les gars. Ça va vous? Ouais. Ouais, ici c'est pas. Morose, on va dire. Alors je me suis dit, ben t'es morose. Vas-y, calme tes ecchymoses. Il te faut autre chose. Comme un shmup qui te ferait pas la vie en rose. Oui, c'est dur de faire des rêves. J'arrive même plus à parler. C'est dur de faire des vers improvisés. Et donc, il n'est pas vraiment tard, il est 22h22, regarde. Et on va foncer dans Mushime-sama. Futari, Black Label 1.5. Donc ça, c'est le nom complet. Hein. Maintenant, on va rajouter un truc derrière, parce que... Je sais pas si vous avez remarqué, je suis passé me le remettre en tête en mode maniaque. Mais il y a un petit mode au-dessus. Et je vous ai dit, on va pas le faire celui-là. Il est temps que je m'explique. Alors, je vais vérifier que j'ai la capture, qu'on a une balance potable. Ah, dites-moi pas, vous commencez pas à aimer ce générique aussi. Alors j'ai mis un gros bouton live qui clignote pour bien différencier les émissions qui sont en vrai live, pas celles qui sont enregistrées, que je diffuse première sur YouTube. Parce que c'est vrai que ça peut prêter à la confusion. Bon, si je vérifie ma capture, moi, ça serait peut-être pas mal. Yépikeye. Ouais, bah je suis déjà dessus, donc normalement si j'appuie là, oh magie, vous devez l'avoir. À la 1, à la 2, à la 3. Ouf, hop, j'ai même pas fait le démarrage. On va s'enlever le générique, parce qu'il est sympa, mais on n'est pas venu pour lui en fait. Salut toi. Et je vais vérifier la balance du jeu avant de faire nulle connerie. Parce que des conneries, oui, il y a moyen d'en faire. Des crédits. Ouh. Bon, il va en falloir quelques-uns. C'est un peu fort, non? C'est même carrément fort. Alors vous savez quoi? Je vais faire un petit réglage, je m'absente 2 secondes, vous pouvez venir en masse sur le stream pour chatter, pour flooder, pour tout ce que vous voulez. J'en ai pour une toute petite minute, je vous laisse deviner ce que je vais faire. Alors, je finis de procéder aux ajustements et on y va dans cette version maudite de Mushi. J'avais dit que je baissais un poil le son, j'espère qu'il va être bien là. Il devrait être bien, puis c'est pas grave si on m'entend pas trop. Autre truc à régler, c'était... Qu'est-ce que j'ai oublié? Mes retours. Peut-être baisser un petit poil quand même. Et puis voilà. Donc Mushi Mesama 1.5. Futari, Black Label, here we come. Qu'est-ce qui se passe quand on met ce jeu en mode un petit peu vénère? Alors, vous allez le voir ce soir, mais effectivement, je ne le faisais pas usuellement. Je l'ai déjà fait hors stream. La version au-dessus de Maniac vous impose un boss final inédit. Mais ce boss final inédit, si vous ne connaissez pas ses patterns, c'est tout basé en fait sur l'esquive et le contre. Et en fait, il y a des hotspots à connaître vraiment très précis et une technique très particulière pour le défoncer. Genre, si vous ne le connaissez pas, sans déconner, il faut plus de 12 minutes pour le flinguer. Et encore, en insistant connement et en mettant que des crédits. Genre, vous ne comprenez pas ce que vous faites. I'm here, but I've got absolutely no idea of what I'm doing there. C'est exactement ça, quoi. Donc, ce soir, on va le faire jusqu'au boss final. Et puis, le boss final, je le ferai pas parce que ça va réellement durer un quart d'heure, quoi. Et c'est super pas intéressant du coup. Par contre, bah, me mettre le run dans les dents un petit peu, ça peut être sympa. Parce que moi j'ai envie de quelque chose qui me calme un peu là, et c'est exactement ce qu'il me faut. Hop. Cette balance est parfaite. Oui, petite fille.
Et voilà, ultra. Est-ce que je veux? Oui, je veux. Non, mais attends. Ok, bon, mais je. Comment ça, je ne lis toujours pas le japonais? Oui, mais je simule tellement bien. Il va y avoir des cris de douleur, mais c'est pas grave. On est qui part? Non, 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 non. Quoi, c'est un signe? Il y a quel signe? Vous avez vu quoi? Je n'ai rien vu, moi. Je gère, je gère. Je vois un mec qui gère, qui est parfaitement zen. What? On va peut-être arrêter maintenant. Non, on va arrêter là. Ah, c'est du porno de la boulette, ce truc. Secours. Non, bah on va arrêter, on va arrêter, c'est horrible. J'ai passé un crédit complet en... C'est quoi le chrono? 1 minute 30? On va réessayer, mais il faut que je trouve le rythme. Il y a un rythme particulier. Pourquoi j'ai dit oui? Vas-y, remets. Faut que je trouve le rythme. On va y arriver. Je vais quitter mon pull. je crois qu'il va me donner chaud. Oh là 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 là. Non mais le mode ultra, je l'ai jamais fait, c'est pas pour rien. J'ai dû le faire deux fois pour m'amuser et je ne me suis pas amusé parce que je me suis fait défoncer à chaque fois. Donc je disais pour les filles aussi, et pour les filles aussi. Mais oui, on va l'affronter, on ne verra même pas ce tableau. Oh comment je spoil. Ah, je sais ce qu'il fallait que je touche dans le stream, trop tard. C'est parti, vas-y, à fond les caisses. Pense qu'il tire beaucoup. Il tire très beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Non, 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 non. Mais putain, j'ai pas eu le temps de redescendre. Oh, la porcherie. Je te vois, je te vois, je te vois. Alors, les chemins à voir, il y a des chemins précis à voir, mais alors, pour les voir, faut avoir bons yeux, quoi. Et t'oublies un truc au sol, c'est bon, t'es raide, t'es mort, t'es pareil que ça, quoi. Oh, la violence. J'ai même pas le temps de déclencher mes bombes. Bon, on va essayer un petit continu, mais je suis désespéré. C'est un massacre. Qu'est-ce qui se passe? Non, je refais plus jamais ça. Je ne refais plus jamais ça. En fait, faut les allumer quand ils sont là-haut, les trucs, et... Voilà. À peu près. À peu de choses près. Ah ! Purée ! On va aller au moins jusqu'au boss, parce que je suis très curieux, du coup, de voir le boss, ce qu'il va me mettre dans la tête. Ça va être assez inédit, je pense. Il y a des gens qui jouent à ça, sérieux ? Dans ce mode-là ? Non, 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 c'est pas possible. Même en ayant envie, bah du coup mon envie elle est passée là. Ça fait un peu comme si vous rencontriez une fille super canon. Et puis que une fois à poil, vous vous rendiez compte que bah, c'est pas une fille. Du coup vous êtes déçu. Et alors lui, ça va être la princesse de ce soir, je crois. Hop, pop, 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 pop. Je réfléchis au chemin, je ne le connais pas, je découvre. C'était presque trop facile, qu'est-ce qui s'est passé? Alors peut-être que pour compenser, les boss sont plus courts. Va savoir. Donc pense, tu as le droit d'utiliser tes bombes, c'est violent. Ah, j'étais pas chaud du tout. Mais même chaud, je pense que ça va pas changer grand chose. Bon. Faut absolument tout pulvériser avant que ça rentre dans l'écran, quoi. Sinon, votre écran est pourri. Il n'y a plus qu'à le balancer à la poubelle. Ah, ah. Oh putain. Et plus jamais les gars. Agent, bourré, tout ce que vous voulez, plus jamais ce mode-là.
Finito, je veux plus en entendre parler. Il n'existe pas pour moi. Il n'y a pas de honte à bomber hein, dans ce niveau-là. Dans ce mode-là en particulier, parce que c'est... Oui, c'est vraiment du porno hardcore, de la boulette. Oh! Non, je me débarrasse des trucs qui piquent, hein, c'est pas possible. On va pas avancer sinon. Le monde y sera encore! Merde, pourquoi je me mets dessous? Et la musique, toute naïve, toute gentillette, toute coquinette, te dit que... Hop, purée, c'est l'heure. Faut bomber. Sinon, tu ne passeras jamais, quoi. Non, n'insiste pas, mec. Oh, un mid-boss qui va être super sympa et super simple et pas speed du tout, regarde. Non, non. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quelqu'un à côté de quoi? C'est une bonne idée que tu crèves, toi, parce que tu m'as l'air un peu coquin. T'as l'œil au coquin, hein, c'est ça? Hop, je fais... Comment ça, quand je refais l'accent, ça veut dire que je suis pas bien? Oui, bah, je suis un peu paniqué, là, quand même. Hop, hop. Ah! 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 Mais c'était quoi, ça? Il y avait un pattern qui me revenait par derrière. Madame, madame, je veux le replay. Oh, ça passait à peu de choses près. Faut pas me disqualifier comme ça, quoi. Mais oui. Et la carioca, tout ça, la marmotte, elle met la vache dans le chocolat. Comment ça, c'est pas la vache? Je veux pas le savoir. Non, la vache. Oh, la vache. Non. Oh, purée. Les chemins sont d'une difficulté assez inédite à décoller, quoi. Oui, parce que c'est une histoire de chemin pour se filer dans ces boulettes. Et alors là, on va avoir un ami sympa pour la vie. Qu'est-ce que c'est, ces trucs là-haut? Ah, papa. J'aurais dû regarder en bas, oui, je sais. C'est quoi, toujours ces trucs là-haut? Papa. Oui, ben, je refais la même, tant qu'à faire. On va éviter de surprendre l'auditoire, puis il faut amortir les blagues. Guégué. Mais non. Moralité, ce mode-là, regarde un super run avant, parce que c'est même pas la peine, quoi, d'essayer d'imaginer pouvoir débuter, de commencer à... envisager de faire ne serait-ce que le premier niveau avec un C. Un C qui correspond à un crédit. Hein. Là, j'ai vraiment merdé le truc, il y avait moyen de passer quand même. J'ai été idiot. Oh, putain. On va passer 9 crédits en moins de 5 minutes, je pense. Ça avait l'air pas très beau ce qui arrivait de toute façon. Genre un petit peu coquin, quoi. Gigi. Je veux pas bomber parce que je veux voir les chemins par où ils passent, je comprends rien. Non, toujours pas. Pas trop envie. Non, bah là, je... Hein, cancel. Voilà, c'est ça, rentre chez toi. Vilain. Tu étais très très désagréable. Oh, misère, ce que j'ai pris. Ils ont changé la zik. Pour moi, ça me prend un bel échauffement pour le mode inférieur. Oh, ce qui me met dans la couenne. Je vous garantis que quand on finit le 9 crédits, on rebascule dans un autre mode parce que là, c'est vraiment très, très, très violent. C'est plus du tout le même jeu, quoi. Tu sais pas à quoi tu joues. Bah, tu vois pas bien au milieu des tirs, d'ailleurs. Yo, Monsieur White, du calme. Je vais t'appeler Monsieur White. Je suis le jeune, moi. Je suis gentil, un peu naïf. J'ai de la volonté, mais faut pas m'en mettre plein la gueule comme ça, bordel. Non. Ah, je voyais pas comment revenir à gauche, c'était la merde. Vraiment. Oh, mais j'arrive même pas à me voir sur l'écran comme il faut. Quoi que c'est caca ça. Non, tu ne fais pas ça. Non, mais même si c'est des amis, je ne veux pas en entendre parler. Ah. Qui, quand, quoi, où, comment? Ah, j'ai pas réussi à remonter le tunnel là. J'ai plus de crédit. Ouais, j'ai plus de crédit, ouf. Alors je vais régler un petit truc sur le stream et puis on va se faire le mode maniaque. Apparemment ça me conviendra mieux. Parce que là, ça s'appelle une dérouillée que je viens de prendre.
Oh, c'était échauffement, c'était même pas un échauffement, j'ai failli me faire un claquage. Ultra mode. Je crois qu'on va pas se revoir avant longtemps. Donc, zouk là. Je vais juste corriger une petite chose sur votre affichage pour que ce soit à peu près clean. Apparemment, la balance, elle doit être cool. Voilà, ça c'est bien. C'est mieux comme ça, non? Alors, apparemment, il y a une erreur sur le stream. Voir ce qui se passe. Le stream a décroché. Non, c'est bon, le stream est revenu. Bon, bah, c'est pas grave. Et on y retourne, mais en mode maniaque cette fois. Ça va être beaucoup plus calme, on comparé, mine de rien. Même si c'est un mode qui est très très violent. Ça va bien mieux se passer. Normalement. Enfin, sauf certains patterns de boss qui sont quand même assez brouillons chez moi. On y go. Ça va être une dérouillée soft. Regardez comme c'est tellement plus simple en comparé. Oui, je rigole. Mais mine de rien. Mine de rien. C'est intelligible à peu près. Oui, je dis plus trop rien là, parce que on va essayer de faire ça propre quand même. Ce qu'on peut faire avec de la volonté un peu. C'est pas fini. Hein. Normalement, je devais être mort là. Il y a eu une tolérance de hitbox des boulettes qui m'a vraiment sauvé. Oui, c'est le du mec qui avait pas prévu que ça passerait avec le seul vaisseau celui-là. Bon, ça c'est check. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un ou deux vaisseaux qui vont cramer sur le deuxième tableau. Profitez bien de cet affichage, on le reverra plus avant longtemps. Pas si un peu de random aussi pendant les tableaux, parce que là il me fait des patterns que j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, tu vois. Non,
mauvais timing. Ouh, ça va être le bordel, ça va être le bordel, ça va être le bordel, le bordel, ça va être. Dommage. C'est moi qui regarde mal en fait aujourd'hui. C'est moche. T'es pas mis au bon endroit. Vilain. Quelle andouille! J'ai regardé les trucs verts, fallait pas. Il y a vraiment des choses dont il faut faire abstraction dans les tirs. C'est pas évident qu'on n'est pas habitué des tableaux. Ah, je dois être casse, tu es pas drôle. Non, non, tu n'es pas drôle. Je reste là-bas, regarde, je suis bien. Ah, tiens, prends. Ah, trop tôt! Alors je pense qu'il y a un ranking dans le jeu qui fait que les patterns se modifient selon que tu es plus ou moins bon pendant les niveaux précédents. Et donc du coup, bah, t'en envoies un petit peu plus ou un petit peu moins dans la gueule pendant le run. Et je pense que c'est ce que je suis en train d'expérimenter parce qu'il y a des passages qui me disent absolument rien. Et pourtant, j'ai fait quand même quelques parties sur ce mode-là. Même si je n'ai pas vraiment rodé. Fallait passer. J'ai même entendu le doigt ripper du pad. Oh la violence. Là, je me mets dessous. Non mais carrément quoi.
Elle était micro timée celle-là. Non, ma copine araignée, ça va super être cool. Hop, 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 hop. Ça démarre trop bien. C'est chelou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va se passer pour ma gueule. J'avais pas trop mal géré quand soudain. C'est le quand soudain à chaque fois qui est fatidique. J'étais en train de voir venir le truc là où je me disais je vais me mettre où pour cette connerie encore. Voilà, ça pouvait pas passer trois fois d'affilée, monsieur, c'est pas possible. Ouais, tu vas te calmer toi Maurice là-haut. Bah oui, bah, ça suffit. Le passage avec des chenilles au sol, ça va juste être un enfer. Je crois que c'est le tableau qui arrive juste après. Ça ne pouvait pas durer, puis ces machins roses là, ça va pas être sympa, je sens. Le plus court fut le mieux. Ah, je suis servi avec ce mode à chaque fois maniaque. Et je crois qu'il existe une version alternate. Donc on a un Mushi Mesama 1.5 Futari Black Label Maniac Alternate. Histoire d'être complet au catalogue quoi. Mais non! J'ai même pas le temps de voir ces beaux papillons magnifiques là. Je peux même pas m'extasier sur le pixel love de ce jeu. C'est horrible. C'est une douleur. Ah, j'avais dit les chenilles, elles me feraient l'enfer. Oh, le Bronx. En fait, faut essayer de rester au milieu le plus possible. Bien qu'il y ait cette cochonnerie à flinguer sur les côtés aussi. Pas bon. À chaque fois les papillons hein, que je regarde. Et... Oh des papillons. T'es mort. Ne regarde pas l'esprit. Ne fais pas du pixel love. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de love dans ce jeu. Il y a que des méchants. Aïe aïe aïe. Je gère très mal ce passage. J'avais trouvé un truc pour le passer, ça, mais faut que. Voilà. Faut vraiment être calme. Très calme. Très, très, très calme. C'est même plus de la calmitude, c'est fouette. Pas loin de l'hypnose. Et je me crache le vaisseau, c'est exactement comme dans un stream que j'ai enregistré, ben, le dernier que j'ai enregistré sur ce jeu. Je me suis crashé exactement au même endroit comme une andouille. J'aurais dû bomber. Ça va y aller à la bombiche.
papillon. Ce papillon est décidément maudit. Alors c'est moi qui le suis. Allez, on y va, Yolamour. Oh, mais... J'avais pas vu que c'était légèrement incliné. Bon, ça, c'est moi qui fais de la merde. Non, pas les blobs. J'aime pas les blobs. Je veux pas les blobs. Les blobs, c'est pas cool. Ce merdier sans nom. Ah si, il y a un nom, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Le flegme, mais ça devrait. Faut penser au Lord British dans les meilleures séries. Je n'en pouvais plus. J'essaye parce qu'il est vraiment inédit pour moi ce pattern. Je nage total dedans. Ça se voit un peu d'ailleurs. Micro timer. Mais j'aimerais bien le piger. Le dernier pattern là, il est juste magnifique, mortel. Et il est spectaculaire justement, il est intéressant. Ouais, j'ai déjà bouffé tous mes crédits. Il y a moyen que je récupère mon bonus ou non? Ouais, je demande. Hein. Parce que ça n'a pas trop l'air d'actu là. Comment elle va être massacrée cette pauvre musique? Alors que je n'aurai de cesse de le répéter que c'est ma préférée dans tout le jeu. Je rechante le Why Can't We Be Friends, ça avait eu beaucoup de succès. Je ne le referai pas. Oui, non, c'est... Les meilleurs, c'est... celles qu'on refait pas. Putain! J'étais sur la sortie de couloir là et non quoi. Pas le temps de reculer. Adamo? Mais qu'est-ce qu'il a Adamo? Elle arrête pas de parler de Adamo, c'est incroyable. Comment ça, elle ne dit pas du tout ça? Croyez-en mon japonais courant, je vous garantis que si. Ah, love là le copain. Pas crever des fois, non? Oui. Ah, c'est cool.
n'est pas trop compliqué à comprendre comment le passer, mais c'est le faire qui demande un flegme absolu. C'était pas possible, hein, monsieur. Cette musique fabuleuse. Oh, quel idiot. Oh, je vais te faire un coup. Why can't we be friends? Why can't we be friends again? Bientôt sur Spotify, Monsieur K, l'album. Oui! Ah non! Comment ça, il y avait un peu de désespoir? Non, je dirais qu'il y avait totalement du désespoir. Le peu est vraiment trop. Le peu de trop. Alors, il se casse dans sa niche, le salaud. Attends, j'étais pas prêt, j'avais mes clés, the keys. Which are rentring into what? Into me. To me. To me, j'aurais dû bomber. To me. Bouache. Allez, c'est parti. J'aime pas quand c'est pas loin de passer, qu'on est au bout du couloir et que finalement caca quoi. Oh, ça a le don de contrarier quand même beaucoup. Comment ça, tu peux arrêter d'être tiré, y'a plus personne, tiens regarde. Plus personne, mes fesses, ouais. Y'a tout le temps du monde dans un chemin. Les temps morts, c'est qu'on regarde les scores. Ou qu'on rentre ses lettres à la fin, si on y a droit. Alors là, je joue quasiment sans jamais ralentir le vaisseau, quoi, parce qu'il faut vraiment tabasser pour effacer un maximum de gens de cet écran le plus vite possible avant qu'il se passe ce qui est en train de se passer là, quoi. Oh, purée. Oui, bah là, le terrain n'était pas assez dégagé. Bon, faut que je change un truc sur l'interface, il me plaît pas ce petit clignotant live qui est pas du tout au bon endroit. Je vais le mettre sur le bas du robot, je pense. Arrêtez de parler, on se fight là. Adamo. C'est genre des bras pas du Adamo. Au bon endroit, monsieur, tu dis n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui ça ne veut pas, ça ne veut pas. Trop tôt. Quel idiot. C'est éprouvant pour les nerfs. Parce qu'il faut vraiment mettre des tout petits coups de sticounet, quoi. Alors ça marcherait mieux avec un pad arcade. Oui, mais ça fait pas tout le pad arcade. Hein. Ah, dommage, je me suis pris à l'envers. Comment j'ai fait?
C'est vraiment le boss de la calmitune parfaite. Il faut... y a pas beaucoup de déplacements à faire en fait. Genre. C'est joli quand ça passe, hein. Mais c'est décevant quand ça s'arrête de passer. Oh, putain. J'ai pas eu le temps de tourner dans le bon sens. En plus, c'est fort, il démarre dans un sens le truc et hop, ça part dans l'autre. Bon, on est venu jusque-là, on va finir, hein. On va se calmer là. C'est pas possible, monsieur, ça. Tu la vois la bombe? Tu la vois la bombe? Tu la veux? Ok, tu la veux, tu l'as. Elle est à toi, c'est ta bombe. C'est un massacre cette fin de niveau. Obligé de même me remettre un crédit, quelle honte. On aura passé 10 tours. Hein. File chez toi. Ce fut laborieux. Alors, je vais essayer de trouver un autre shmup dans la même veine, un petit peu sympa à faire. Genre dans la même veine, comprendre même période. Même période, c'est-à-dire. Alors attends, il y a une autre version. J'ai encore une autre version de Footish, de Mushi-Mesama Futari Black Label, qui est plus récente que celle-là encore. Oh, moi je dis faut qu'on regarde. On va d'abord vérifier. Enfin, moi je vais déjà modifier ce truc de l'interface là qui me gonfle. Ce bouton-là, il va passer là. Il sera bien mieux. Et il va passer par-dessus, 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 par-dessus. Ça. Oui, je suis en train de bricoler l'interface de. Voilà, c'est pas mieux là? L'interface du stream, ça devrait être plus sympa. C'est quasiment sympa. Faut même que je redimensionne encore ce truc. Hop. Alors, le problème c'est que c'est mal fichu et je vois pas vraiment. Normalement, là c'est bon, je touche plus rien. Alors j'attends que ça apparaisse dans le retour. C'est pas trop mal comme ça. Allez, on va garder en attendant mieux ou pire. Peut-être monter d'un cran encore un peu. Et ça va être parfait. Voilà. Eh ben on va essayer cette version de Mushi là parce que ça me perturbe. Je suis tout ému. Hop, est-ce que j'ai toujours ma capture? Normalement oui. Donc une version millésimée 2007. Je pense pas qu'elle sera plus simple. J'ai oublié de dire. Il y avait peut-être des informations précieuses. J'ai l'air ridicule avec mes taches de brûlé. Oui, je me suis brûlé avec de l'huile bouillante. Je ne vous le recommande pas. C'est comme une coccinelle, mais en humain. Surtout un avant-bras, c'est moche. Alors, 2009. Mon Dieu, cette version est trop récente pour être honnête. Je demande une démo. Sur la démo, ça se trouve, va rien y avoir de flagrant.
Another version. Je sais pas d'où ça sort. Ça se trouve, c'est du fan qui a trafiqué une ROM, j'en sais rien. C'est de l'inédit pour moi. Tu nous fais voir une petite démo, Coco? Rien de flagrant, on reste dans de la foutarie de la clavelle. Il y a la couleur du tir qui est pas pareil. Les règles restent à peu près les mêmes, j'ai l'impression. J'aimerais bien qu'il soit plus sympa. Ça a pas l'air. Va falloir qu'on goûte. Alors, plus difficile ou plus facile que celle que je viens de faire? On va reprendre les mêmes setups. Donc on va se mettre en maniaque. Toujours God. Ah, il l'appelle God maintenant. Donc celui-là je l'ai sur la version. Bah, c'est peut-être la version arcade de ce que j'ai sur la version. Non! Mais j'ai pas dit oui! Qui m'a inversé les boutons? Que le plaisantin se dénonce. Non, je vais rester là où je boude, je boude, je boude, je boude. Non, non, je veux sortir. Je veux mon mode normal pour faire la comparaison là. Meurs, 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 meurs. Encore. Oh là 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 là, c'était moche. Non, non, non. Donc on va se mettre sur la bonne version cette fois, parce que là c'était pas du tout la bonne. Clic. Maniaque. Et donc moi je disais oui, c'est la même version qu'on a sur Steam, je pense. Il y a peut-être des chances, une version hardcore. J'arrive même plus à parler. C'est... Alors je vais plutôt causer parce que ça va envoyer encore. Intérêt à speeder, hein. C'est panique à bord. Je trouve les tableaux plus speed et les boss plus courts. Je sais pas, c'est une impression. On va voir comment ça se passe au second tableau.
Ah, peut-être un petit peu plus simple, je sais pas. C'était pas supposé passer, hein, je vais vous le dire. Très honnêtement. Mais bon, pour l'instant, c'est un run propre, c'est étonnant. Donc il doit être plus fastoche. Ah, j'ai fait de la merde. Mais j'ai refait de la merde. Bah, il me semble que cette version est plus facile. C'est subtil comme différence, mais bon, j'arrive à faire les deux premiers tableaux clean avec un seul vaisseau quand même, c'est que ça devait être plus fastoche, hein. C'est pas juste d'avoir joué juste avant au moins 5 normal. J'ai peut-être dit une connerie en disant que ce serait plus fastoche. Ah, j'ai pas le temps de tirer ma bombe. J'avais le pouce rivé sur le tir principal et j'étais là. Trop loin, trop loin cette bombe, trop loin. Alors, c'était très mal engagé tout ça. Oui, il est plus facile, hein, je confirme. Les grosses bestioles qui balancent noir de tir, elles sont plus faciles à éliminer, je trouve. Parce que ce passage, j'en avais bavé, hein, sur le précédent niveau. Non! Ah, zut.
faut vraiment être dans l'axe pour celui-là, sinon c'est foutu quoi. Quoi de bouton? Ça arrive, pourtant il n'y en a que deux. Oui, il est plus facile. Je me suis gouré de bouton. Un, deux. Non, j'ai appuyé sur l'autre. Le troisième. Bon, bah, du coup, je vais faire un score moins honteux que le précédent. C'est dommage. J'aurais pu balancer cette bombe, c'était parfait. Oui, il est simplifié parce que les trucs au sol déjà là, les chenilles qui me faisaient la misère, elles sont moins complexes à flinguer, elles crèvent plus vite. Ce qui n'est pas pour me détendre un peu, parce que elles sont stressantes. Hein. Voilà. Oui, là je serais mort normalement. Hop! Papillon! Il me déconcentre ce papillon à chaque fois, c'est terrible. Il est trop joli pour faire du mal, quoi. Changer de colonne.
J'ai pas vu le couloir. Je fais un peu brut là. Quel wish. Vas-y, mets-toi dessous, bravo. Ah, c'était lui ou moi là? Deux, trois petites fourberies avec quelques petits tirs comme ça qui changent d'ennemis, pas des pop-corn mais juste un petit poil au-dessus et c'est suffisant pour mettre le bordel. Voilà, ces petits tirs là, là où ça tire en demi-cercle avec... Ah non, hop, niqué! Et le demi-cercle avec le tir central qui part tout droit là. Ça perturbe.
fini. Les yeux qui commencent à... Vous voyez la chose, vous imaginez. Ça papillote un peu. Je voulais passer, j'avais ma fierté sur celui-là. Il est complexe dans la masse de bordel qu'il y a sur l'écran. Et du coup, c'est vachement intéressant. Ouais, bah, cette fois, plutôt que crever, j'ai préféré mettre la bombe. Hein. Bah, ça aurait été un joli run, du coup, parce que je sais pas combien de crédits j'ai passé, mais. Donc, conclusion, cette version alternative est plus simple que le Futari 1.5 Black Label. Ah, à chaque fois quand je suis pas dedans, je me mets tout seul sur le démarrage. Non, ne chante pas, c'est moche. Oui, bah, j'ai pas envie de faire des gros mouvements. Hein. J'aurais pas dû bouger. Vraiment être. C'est le flegme anglais ce tableau. Comme c'était ridicule. C'était pas mieux. Bon, bah, bomber maintenant si c'est compliqué parce que. Ce serait moche de faire. Un amoindrissement du score, alors que c'est possible de faire un truc sympa. J'avais dit que je bombais, mais non. Fierté. 9 crédits, bravo. On va finir à 10 crédits comme l'autre, mine de rien. Bon, là, j'avais la primeur de ne pas connaître les tableaux, du coup. Ça me fait quand même une belle excuse. Pas assez focus. Oups, pompe. J'hésitais entre gauche et droite. Oh, faut pas hésiter comme ça, monsieur. En plus, il reste rien du tout sur sa barre de vie. Bouh, c'est dommage d'avoir commencé un run si bien et de l'avoir fini si mal. Donc, cette version alternate de... Ushime-sama 1.5, Futari, Black Label, Alternate donc, elle est un poil plus facile que la même sans le Alternate à la fin. C'est bon à savoir. Ceci dit, il y a des petites variantes, vous avez vu, je me suis fait avoir, hein, sur des endroits que je suis supposé quand même connaître un poil. Oh, presque un vrai scordon. Alors pareil, il doit y avoir une histoire pour scorer dessus, parce que c'est pas normal que je fasse ce genre de score là-dessus. Là. Il faut dire que j'ai quand même eu un taux de dégommage assez élevé. Et je ne suis que troisième, c'est nul. Remboursé. Bon ben voilà, c'était notre exploration avec le petit entraînement Mushimama. Mushimesama. 1.5 Black Label. En mode maniaque. Et puis cette version alternate qu'on a découvert ensemble. Qui est pas mal. Et qui est différente du coup. Mais pour en piger toutes les subtilités, c'est pas gagné.
Je vous donne rendez-vous à je sais pas quand. En attendant, vous allez à la chaîne YouTube si vous voulez aller jeter un œil. Il y a toutes les archives là-bas. Je n'arrive plus à parler. Oui, c'est tard, 23h34. Il y a toutes les archives. Ça vous fait plus de 500 streams à explorer avec notamment bah, une bonne moitié en shmup. Et puis l'autre moitié, c'est des nouveautés, mine de rien, ou des jeux notables. Ou parfois, surprise, ce que j'appelle des arcade legends. Allez voir sur la chaîne sur YouTube The Big Gamoski. C'est pas très compliqué à trouver. Allez, soyez pas sages, jouez beaucoup et à bientôt. Ciao.